Eh boy. On va tout foutre ça en commentaire. Ok, add. On va commencer juste par adder le level. Fait que M V L E V E L. Level text field. Quelque chose que j'oublie, je suis Ah, je me suis pas fait un new, lui ici. Moi, je me fais pas un new à la création, si je ne me trompe pas. Level number text. Ah, non, effectivement, je ne me fais pas de new upon creation. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Si, new text format, new text field, ok. Égal, c'est ça? Ok, level is over, boolean, m level text format, égal new text format, level text field, égal new text field, et ici aussi, new text field. Donc là, ils vont être initiés à la création. Comme ça, j'aurai pas de problème. Ok, text field, contrôle C, V. Ah, j'ai fait C encore. Ok, contrôle V. Oups. Attends, ça c'est le format, ça. Level text field. Ah, text field, mais text format. Ok, c'est bon. J'ai juste changé donc mes noms de variables comme ça jusqu'à ce que je les ai tous au bon nom. Et ça, je vais l'en changer pour M, le V, E, L. Text format. Ok. Je le veux pas Arial, mais pour l'instant, je vais le laisser Arial juste pour le test. Ok, size 15. Ok, je vais le laisser là. La couleur, je vais la laisser. M level text format. Left margin égale 30. Border égale trou. 50, 20. Level text field point. Auto-size. Lui, y a-t-il importé son auto-size? On voit pas de couleur, mais probablement que texture auto-size, c'est importé. Ouais, c'est importé. Ok, text format. Ah, c'est pas le bon format. Ça marche. Maintenant, on va setter border à false. On va laisser la couleur là pour l'instant et on va changer le style pour
pour du Uni0553. Uni05, barre en bas, 53. Parce que c'est le format que je veux. Je vais changer le Formatic Text in ActionScript 3. Là, je vais changer pas ça pour level. Oui, salut. Bon souper rendu à cette heure-là chez toi. Et je sais pas si tantôt je vais être en train de faire ça parce que j'ai un travail qui est à remettre lundi qu'il faut que je fasse prioritairement en fin de semaine. Donc là, c'est juste parce que je fais toujours un stream le samedi. Donc je voulais en faire un quand même, quelques heures au moins. Puis quand je vais avoir faim, je vais m'arrêter pour dîner, même s'il est déjà rendu 1 heure. Puis après ça, je vais faire ce travail-là, puis je vais probablement juste recommencer la semaine prochaine, donc lundi à recoder. Mais je vais probablement faire beaucoup de streams d'ActionScript 3. Pas tous parlants par contre. Je vais changer ça aussi en 50. Hein. Oui, salut. Tu me redonneras des nouvelles pour le Game Over quand tu l'auras fait. La deuxième version. En tout cas, le level s'écrit. Il est de la bonne grosseur, il est pas de la bonne couleur, puis il est pas du bon format. La couleur... Je connais pas les codes de couleur par cœur, bien évidemment, donc je vais aller les chercher. Je vais aller chercher les codes de couleur. Moi, je veux pas la palette, moi je veux comment on écrit la couleur par contre. Est-ce que je l'ai dans l'image? Non. Ça, je vois des codes de couleur, donc c'est ça peut être bon, sauf que il faut que j'ai une idée de la couleur que c'est. Non, c'est pas bon. Hein? Quoique bleu. Non. Il est déjà bleu. Moi, je veux juste mettre ma petite palette de couleurs avec leur code assigné, c'est tout. Je veux juste le chiffre. Je veux juste un chiffre. Je peux pas coder de couleur sans savoir c'est quoi le chiffre de cette couleur-là, merde! Et je suis quand même pas pour les essayer, là. Il y en a tellement des couleurs différentes que le code y est juste impossible à deviner. Peut-être juste coder de la couleur comme tantôt. Là.
What the fuck, je vais enlever ça de là, cette image-là. Comment coder? Comment formater? Mais là, comment formater la couleur, la... du texte en AS3. Créer, formater un champ texte dynamique. Ouais, moi, je veux juste les codes de couleur pour pouvoir le mettre de la couleur que je veux, en fait. Personne qui est capable de donner un code de couleur. Hey boy, hey boy, hey boy, hey boy, hey boy, hey boy. Couleur AS3. Putain. Ok, ça marche pas. C'est ça, gestion des couleurs peut-être, ouais. Non. Personne qui est juste... Ah, merde. Juste assigner une putain de couleur en AS3, merde. Comment écrire de la couleur? Bon, non pas écrire de la couleur, voyons. Comment je pourrais marquer ça? Pas en AS2, en AS3. Bon allez, j'avance à force d'aller trop vite là. Il est guéri, j'aime ça son bouton. Donne-moi juste son code de couleur. The fuck. Je veux juste ton code. Juste savoir comment on écrit gris en programmation S3. Bon. C'est tout ça. Je change mal la couleur du texte. Ok, ça le dit pas trop trop. C'est quoi? On va l'essayer, hein? On va essayer ça. Dis-moi que c'est la bonne couleur au moins. Presque la bonne couleur. Ça c'est troublant. Je veux du gris. Je veux juste du gris. C'est pas trop compliqué ça, du gris? Alors, on va te faire foutre. On va essayer ça direct comme ça. Pas en gras, en gris. G-R-I-S. C'est le même, ça c'est gris. Je vais laisser ça en blanc sinon parce que...